Yo les gars, c'est Kimpion dans un tuto. Aujourd'hui, on se retrouve sur Block and Load avec Seba. Salut. Salut. Donc, je suis avec un nouveau personnage. Vous voyez juste les griffes actuelles. Comme on l'appelle nous, le chinois. Donc, le shinobi, donc c'est un ninja, il est juste là. Donc, je vais commencer la game tout doucement et je vous explique ses capacités un peu après parce qu'elles sont intéressantes vraiment qu'en combat. Pour construire, etc., c'est vraiment pas des capacités géniales à regarder. Donc, bon. J'explique juste après. J'expliquerai les blocs quand je les poserai quand même. Ouais, donc là on casse le petit truc central pour avoir plein de blocs en fait. Hop, voilà, parce que c'est génial. Voilà. Puisque comme Seba est en cogwheel, comme je l'avais déjà expliqué, l'intérêt c'est d'aller mettre des... Oh déjà, je vais poser des blocs, t'inquiète. Oh, bah. On va mettre des mortiers. Son intérêt c'est de mettre des mortiers. Moi, vu que j'ai pas besoin de beaucoup de blocs, je... C'est de la flotte en bas ou de la lave? Putain, c'est de la flotte. C'est de la flotte, hein. Oh bordel. Je pense que je remonte un peu par là. Pourquoi t'espérais que ce soit de la lave? Bah pour me suicider, réapparaître à la base. Ah ouais. Bah au pire, quand tu fais B, presse B longtemps, tu réapparais à la base. J'ai découvert ça l'autre jour, ouais. Donc ouais les gars, quand vous faites, je crois que c'est B. Un peu débile, je suis... Bon là, moi ici, c'est con, je l'ai fait, mais après, faut plus bouger. Et quand vous êtes en gros fight ou quoi, vous arrivez à vous cacher, hop, vous appuyez sur B, vous attendez. Et vous ferez un retour à la base. Bon après, j'ai découvert ça, mais je l'ai jamais utilisé non plus, donc bon... Ça peut être utile. Ah ouais, ça peut être méga utile, mais je suis du genre à jamais l'utiliser, gros. Je suis mort 100 fois avant de commencer à avoir l'idée. Donc ouais, donc traditionnel, hein, on fait un petit cube autour de la base. Et je vais quand même mettre quelques pics parce que ce héros a des pics et ça c'est génial. Je vois s'il y a des cogules en face. Non, il y a aucun des héros vraiment gros dégâts en face. Enfin, je veux dire au niveau des bases, etc. Ils ont que le Arrage Stone. Qui est pas dégueu, donc bon, on est tranquille, j'ai envie de dire. Oh nice, y'en a un qui joue la carte intelligence en plus. Moi je sais pas tout ce qui se passe, je suis en train de monter. Tac. Bon après mec, bon il est amorti. Il est chaud lui, hein. Il y a des trucs. Comment ça se passe? Donc ouais, rapidement, Shinobi, juste comme une capacité vraiment intéressante, il peut monter au mur, donc regardez si je vous montre là, j'appuie sur la touche, hop, il monte au mur, c'est juste la touche de sprint. C'est pas mal intéressant, surtout genre imaginons, attends, on va vous montrer, imaginons vous arrivez sur la base ennemie, hop, vous montez tranquillement, et vous êtes au-dessus, et donc eux, ils mettent un peu plus de temps pour vous rattraper, c'est pas dégueu. Alors, je vais juste reprendre de la vie. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser des pics. Étant donné que Shinobi a la capacité de pouvoir poser des pics, on va en poser un peu partout devant la base. C'est un truc qui est pas mal génial avec lui. Tac 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 tac. Excusez-moi si on entend le spam click de la souris dans le casque, je sais pas du tout si on entend. Moi j'entends rien donc. Ah, je sais pas si j'entendrai. Je peux plus la poser. Ah bah j'en ai plus, putain je suis trop con. Je vais aller rechercher un peu de bloc. De manière très rapide. Oh mais comment j'ai tout bien calculé tout. Donc ouais là ce que vous venez de voir en fait c'est le pouvoir donc en clic gauche. Enfin ouais en clic dans gauche ouais. Je tue les gens, enfin je tape avec mon sabre et en clic droit épée, voilà. Bon pas super long. Pour le rappel à la base. 15 secondes normalement hein, non? Moi j'en avais 13. Enfin ouais. J'ai vu à partir du moment donc. Ouais non c'est plus sûr ouais. Oh, donc maintenant vous voyez on a des nouvelles petits add-ons comme ça, on voit des petits cœurs de vie, enfin des petites croix d'infirmerie comme ça, et des petites balles quand on se fait recharger en fait. Pas dégueu, je viens de voir ça, c'est la nouvelle mise à jour qu'on a mis juste à l'instant en plus. Ce qui serait pas mal c'est quand même, ouais il faut que je crée absolument des blocs pour que je puisse vous montrer ma capacité spéciale quand même qui est très intéressante. On reposera pas plus de piques, on en a déjà mis quelques-unes, ça défend pas mal la base, bon après on avait quand même pas un héros défensif à la base. Voilà. Tac. Et on creuse. T'as déjà mis pas mal de pics? Ouais. Bon. Donc là, je vais direct aller me placer. Enfin, me placer en position.
pour aller vite fait dans leur base. Donc vous allez voir, mon intérêt, enfin l'intérêt de ce personnage, vous allez voir rapidement, c'est hop, il se TP, je m'accroche là et moi je suis chez eux. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va dégager ça et on se retrouve déjà. Enfin, eux n'ont plus, n'ont déjà plus de trucs. Et donc toi, tu hop, tu prends ça. Et donc vous voyez, regardez, je lance des shurikens. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que je les lance? Le mec saigne, mais saigne. Bon, voilà, et là je l'ai tué. Il saigne, et puis au bout d'un moment, bah, forcément, quand on saigne, au bout d'un moment, on meurt. Hein, on se vide de tout notre sang. Enfin, et là, c'est à peu près ce qui se passe. Ouais, mais j'essaie de faire des trucs logiques pour que les gens comprennent tout ça, tu vois. Au moins, j'ai bien fait 2 kills. GG, mec. Alors, lui, le pauvre, je l'ai tout pété. Il me semble bien, c'est un ennemi. Donc, vous voyez le. Il y a un mec sur les remparts où t'étais avant. Ouais, j'ai vu, mais. C'est le snipe. Mais il est tombé. Meurs. Meurs. Il a pris très très cher avec mes. Bon, je suis en 2-1. Bah, je suis mort sans. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ça doit être le Yuri qui m'a mis. Ah ouais, il m'a mis une boule de neige. D'accord. Ah, tiens, maintenant quand on est mort, on a une méga grande carte. Et ça, c'est trop cool. Ah bon, voilà. C'est un. Pas mal fait. C'est tout nouveau. C'est la mise à jour. Hop. On se TP là, on va sauter ce TP contre le mur. Vous voyez le héros bien cheaté en fait. Enfin, cheaté oui et non. Parce que d'un côté. Pour attaquer vite fait et se replier vite fait en fait. Ouais, au niveau rapidité, il est complètement fumé. Hein. Au niveau déplacement en fait. Parce qu'après. Il y a un mec sur les murs. Ouais, j'ai vu. Je vais le chercher. Il est mort. Comme vous voyez, si j'arrive sans que le mec me voit, honnêtement, je suis vraiment peinard. Hop, meurs. Je vais foncer dessus, j'avoue, je vais essayer de foncer dessus là. Et là j'ai pas compris. Ah d'accord, je me suis pris une petite mine. Ça fait bien chier parce que si vous avez vu, vous avez entendu un petit bruit. C'est parce que j'ai appuyé sur F. Donc c'est ma capacité spéciale qui me TP au petit truc que j'ai construit tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vais vous remontrer tout de suite. Je sais pas si j'ai réussi. Je sais pas du tout. J'ai pas regardé, je t'avouerai. Bah si, c'est bon. Hop. On va se taper ici. Et donc là-haut, vous avez vu, j'ai tapé un truc comme ça là. Vous voyez. Et donc, ce truc-là, quand j'appuie sur F, il me permet... Hop. Il me permet d'aller... Enfin, de me TP rapidement. Ah, voilà. Hop. Ce que j'ai fait là maintenant, vous avez vu, je me suis TP tout de suite. Parce que ça devenait beaucoup trop tendu pour moi avec toutes les tourelles qui me tiraient dessus et tout. Enfin, du coup, je me retrouve à l'endroit où j'avais posé mon spawn. Et donc, je vais essayer de détruire sa tourelle à lui au shuriken. Parce que ça me casse les couilles. Il y a un mec qui a creusé un tunnel en dessous de notre base. Sérieux? Ouais. Bon, je viens de le dégommer, mais je crois bien qu'il y en a un qui tape dans notre base. Non, on prend rien du tout. Ouais, il y a un mec quand même au fond de chez nous. Voilà. Donc, bon, il faut du temps hein, pour détruire, on est d'accord, les gars. Ça va pas vite du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller détruire rapidement une. J'ai pas du tout où il est rentré dedans. Une tourelle du genre ici, on va essayer de faire ceci. Ok, voilà où on est. Oh putain. On se fait taper dans la base. Bon, moi là je suis chez eux donc je sais pas, il faut que je revienne. Ouais, y'a personne chez nous, mec. Y'a personne de chez personne. Ah putain, j'ai foiré mon truc. Ils sont où? Putain, je suis trop con, ils sont là. Alors mon gars, on a pris beaucoup trop cher. Ah ouais. Oh, ah ouais. Ouais bah je suis arrivé beaucoup. Enfin je suis arrivé tard et ils sont où les autres? Pas deux, comment ça se passe là? Bah ouais en fait on est trois chez eux. Bon bah tu sais quoi, je joue un peu plus défensif. Ouais, surtout qu'il y en a un qui réattaque. Hop, il meurt.
Ah, j'ai tué un mec avec mon mortier. GG. Donc là, on va se taper. Oh putain, ils ont répété les. Ils ont broqué. Fuck. Bon. C'est rien, ça arrive. Ah bah y'en a là-haut. Merde, putain. Ça va récupérer des munitions. M'excusez, la game est un peu lente. C'est pas grave. Ok, bon. Bien ce que je me semblais, j'ai vu quelqu'un. Putain, je l'ai eu, mon gars, mais. Non, j'ai perdu, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, je l'ai eu l'autre de justesse. Et je suis bon. Assez bas ici. Ça va, niveau kill, je me démerde. Après, le souci. Non, appuie sur N, s'il te plaît. Là, le problème, ça va être vraiment de les détecter avant qu'ils arrivent sur la base. Comme les gens, vraiment avant. Surtout que visiblement, ils ont un tunnel. Ah ouais, ils ont un tunnel qui arrive jusqu'à la base en fait. Ça, c'est plutôt chiant. Ouais. C'est peut-être pas intelligent ce que j'ai fait de partir comme ça parce qu'il y a plus personne pour survivre vraiment à la base. Et ça, c'est plutôt emmerdant. Mais tac. Tac, tac, tac. Et maintenant, je vais attendre là-haut. Si quelqu'un arrive. Ok, je viens de me faire dégommer. Leur base est beaucoup trop bien protégée, mec. Putain. Il y a des tourelles dans tous les coins. Ils sont deux pompes à rester dedans. Il y a le mec avec ses boules de neige là. Ah bah voilà. Bon, ce que j'ai dû faire, les gars, sur la fin, j'ai dû me TP absolument mon truc parce que le mec m'avait mis à 40 HP et une deuxième balle de snipe, ça me tuait. Et du coup, je me suis TP, mais j'aurais jamais dû parce que je me suis bien douté qu'il allait réussir à toucher la base. Ah bon, ça arrive. C'est pas grave, on va en refaire une rapidement. On perd des points de classement, mais bon, c'est pas non plus dingue. Oh, hein. Pas moi. Non. Non. Oh bah, ouais, donc on était en 8-2, c'est pas dégueu. Non. J'ai fait le con, ça. Tac. Voilà. Normalement, on est encore ensemble, oui, c'est bon. Donc, on va relancer. Juste regarder rapidement mes trucs, c'est. Utiliser une capacité active 3 fois en une partie, ouais, donc ça c'est faisable. Et passer le plus de blocs spéciaux, ok. C'est largement faisable. C'est un héros tout à fait génial à jouer, sauf qu'il a, je trouve, trop peu de vie. Il a 100 comme la plupart des héros, mais le problème c'est que si il y a 2 ou 3 tourelles sur le truc ennemi, bah, c'est impossible de l'attaquer quoi. J'ai déjà fait des games où on est resté genre une heure, enfin quasiment une heure dans la game, 48 minutes je suis resté l'autre jour avec le ninja. Simplement leur cube et moi je les attaquais, bah, je tuais 2 ou 3 personnes et puis après je mourais. Et puis du coup ils avaient le temps de respawn, moi aussi, je revenais, je refaisais pareil et leur base il n'y avait pas moyen qu'on la touche. Parce qu'il y avait toutes les tourelles de plusieurs Tony qui étaient là. Donc impossible de toucher leur base, donc on se faisait défoncer. Et ils ont pas envie de trouver une game sinon. Je vais relancer la recherche parce que... Ouais, donc sinon dans les robes, regardez, il me manque plus grand chose. Vous avez pas vu, mais il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont 2 que je peux acheter là tout de suite s'il faut quoi. Bah bon, ça m'intéresse pas de les acheter vraiment. Putain, je suis deg, y'a tout le monde qui termine leur examen aujourd'hui. Ouais, je sais bien. Bah pas moi, moi il me reste encore 2 putains de jours. Dont un demain qui va me défoncer. Physique, je vais me faire éclater gros. J'ai il te cherché... reste mercredi, jeudi toi. Ouais. Puis vendredi, je suis obligé d'aller à l'école. Putain, ah ouais, ça va. Moi aussi. Ah, Gatehouse, c'est exactement la même. Ouais, moi je vais reprendre le même. Donc vous regardez dans les héros, là je suis pas trop mal. Il y a juste celui-ci, il faudrait que je vous présente, mais il est genre beaucoup, mais alors beaucoup trop nul. Enfin, impossible à jouer, moi je trouve. Il est à chier. À chaque fois. Bref, donc ouais, Restroll, Polyphasphase, je vous ai déjà présenté. Le Coguil, bah ouais. Elle, il faudra que je vous la présente parce qu'elle a pas des dieux non plus. Et bah, le Shinobi, tout le reste, je vous ai pas que présenté. C'est des héros que j'ai depuis un peu plus longtemps, mais bon, faudra que je vous présente tout ça. Bref, relancer. Ça touche, j'ai rien d'intéressant. Ici, bah, je pourrais mettre les bombes, etc. Mais. Pff, c'est plus intéressant les pics, je trouve. Les pics sont intéressantes et ces blocs-là, bah, c'est des blocs invisibles, c'est pas mal non plus. Bref, donc relancer. Tac. En espérant que les autres verrouillent quand même. Enfin, ceux de la team adverse. Et en espérant qu'on les défonce. Aïe aïe aïe.
D'un côté, si le souci c'est vraiment les tourelles, c'est la merde. C'est quand t'as déjà pas les tourelles sur une base ennemie, c'est bien plus facile à attaquer. Ouais. C'est chiant à détruire une tourelle. Bah, Est-ce surtout que. que moi j'ai colbon donc. Ouais, est-ce que j'allais Et je dire, peux toi t'as courir derrière une facile, tourelle. tu bourrines avec le canon ou quoi et tu les défonces quoi. Allez, let's go. Putain, tu charges lentement, c'est Ouais, mais je viens de lancer Facebook, c'est pour ça. Je le pas. ferme. Voilà, bah je suis à fond. 60 ms, voilà. Plus que 50. Bon, moi je suis 60 là. Tiens, et les deux autres qui se connectent à 2 à l'heure encore? Qui se connectent même plus en fait. Ouais. 1 à 0 et 1 à Ouais. 56, c'est génial. Et un 50 hit. Ouais. Bon bah là on est parti pour attendre encore. T'as vu le mec qui s'appelle No Good Names Left. Si vous. Bah vous pouvez pas voir si je peux pas bouger ma souris, mais en gros tout au-dessus. Il restait pas de bon nom de jeu. Sur Call of, je suis tombé sur un mec qui s'appelait Hellstorm Missile. Ben Et qui savait comment pas quoi mettre. Zach Nani il s'appelle on a pris mon blaze. C'est quand même des joueurs connus quoi donc Putain, c'est vrai que c'est pas un con. Là, je suis tombé sur des hackers tantôt. Ouais. Ouais. Maître Prest... ouais, Maître Prestige niveau 64 et Maître Prestige niveau 63. D'accord. Avec... Non. Parce que j'ai Clément Marjoint, puis... Non, Louis Marjoint, il avait la même chose, puis Clément Marjoint, il avait la même chose. Et le mec one-shotait avec sa VMP, donc... Et l'autre, il était nul. L'autre, je l'ai dégommé. Bon, ils veulent pas trouver une game ou comment ça se passe là? Enfin, ils veulent pas les faire join ces cons là? C'est pas plus mal, ça fait du 4 contre 3 donc. Ouais, mais j'y crois moyen. Faudrait déjà faire Avance une game, rapide. selon. Putain. Ah, j'aurais peut-être fait une ellipse. Ah, ça y est. Ah voilà. Attends, fallait juste parler de ça. Bon, bah, exactement la même qu'avant. Ouais, la même qu'avant. Sur la même map, King of Castle. J'ai déjà pété le pont. Ouais. En fait, ça, j'ai plus l'impression là que ça fait du 2v3. Ah non, il y en a un qui s'est mis avec nous, il a compris. Donc, ouais, donc faut qu'on utilise 3 fois notre capacité active pour qu'on ait l'or. Et faut que je place 12 blocs comme ceci là, vous voyez, ceux-là. Donc du coup ce coup-ci c'est je mettrai pas de pique. Ça a pas été très utile non plus la game d'avant donc bon. Il passe par en dessous donc. Ah bah. On va remettre des mines ou quoi en dessous. J'y mets qu'ils ont tout creusé en dessous. Ça faudrait qu'on le fasse une fois. Ah et alors on se pose pas de questions et on creuse un sillon mon gars. Ah tu vois le genre Mais de vite truc. on prend les. les pompes et on place des tourelles pleines à la base et puis on fait ça quoi. Ah ouais, on s'arrête pas de faire ça. Ok, nice. Ah, les briques. Bon, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Y a un truc de vie? Ah ouais, il y a des trucs de vie. Oh, génial. Avec mon lance-roquette. C'est marrant. J'envoie des feuillages partout. Donc, hops. C'est pas mal là pour remonter vite et pour fuir un combat aussi, c'est pas dégueu. Parce que tu vois, je fuis déjà super vite, mais alors quand je fais ça. Oh là, le lag des mecs, excusez-moi. J'ai une grosse chute Voilà. de FPS, ça arrive. Bon, maintenant je recherche des munitions. Voilà. Ah, poser mes mortiers aussi qu'il faut que je fasse. C'est On quoi ferait ça? bien un piège de ouf, gros. Gravity Wheel. C'est quoi ça? De quoi? Les Gravity Wheel. Gravity Wheel. Ouais, viens voir où je suis. Ah, ça c'est les trucs du shit science. C'est. Oh, je bug? Ah non. C'est pas? Ouais? Ah oui, C'est? j'avais 150 ms. C'est les trucs du shit science. En fait, quand les ennemis s'approchent, boum, ça fait du vent et ça les aspire. Tu te souviens, on s'était pris ça une fois. Ouais. Ouais, juste. Et c'est parce que du coup, comme c'est des héros de. Putain, fuck it.
Oh, je sais pas où poser mon mortier. Tu sais quoi, je l'ai posé là. La flemme. Moi, je te dis, gros, on fait des pièges de ouf. Faut que je fasse quoi? On va creuser, je te dis tout ici. Tu vois. Attends. Et on va taper des pics avec des blocs. Attends, est-ce qu'ici ça passe? Non, faut que je les mette que par deux rangées de deux. Bon. Sinon, je vais dégommer la base en lançant mes mortiers. Truc à faire aussi, ça. De quoi? Dégommer la base. Avec des mortiers. Ouais. Si on se met à 3, ouais, à 3 avec des mortiers. Ah ouais, ouais. Bah ouais, on se met à 3 cobuls et on défonce tout. Ouais, ça serait drôle. Et tu te mets juste sur ta base, juste au-dessus, et tu fais les F. Comme de fumier. Piège de fou, où es-tu? Devant la base, en train de creuser. Oui, je suis en ici. Ouais. Ça voilà. M'aider à creuser un peu devant la ça, base, en train de creuser. T'es même pas sur la mini-carte. Bah t'as pris de la vie où? Il y a que deux endroits. Bah je suis là. Et sûrement que je suis derrière toi. Yeah, nice. Juste on creuse ça sur quelques rangées et puis après je placerai des pics en dessous. Tu veux que je le ref... Ça, tu fais un rectangle? Ouais. En fait, casse juste les extrémités hein, parce qu'après tout le reste ça tombe tout seul. Non mais j'ai creusé un troisième bloc. Non mais t'as bien fait, c'est ce qu'il faut faire. Ah oh bah. Donc tu creuses ouais, juste ça et puis moi je vais creuser tout le dessous comme ça sera fait. Et puis après tout tombe d'un coup et on se fait pas chier à tout creuser en fait. Tac, je te laisse continuer, j'ai déjà posé les pics. Ça aussi faudra qu'on fasse. D'office on devra faire une vidéo comme ça. Partout, tout autour de la base avec des blocs factices. Ou alors quand il y a de la lave, tu creuses tout mais jusqu'à la lave. Bon, 5 minutes c'est tendu, hein, mais tu peux faire une grosse partie du jeu. Il y a un mec qui s'en va dans ce tapis, il a tout pété. Regarde. Là près du cube, il est en train de tout péter, tout autour, et il met des blocs. Bon, écoute, c'est rien. Sans ça. Bon. Donc voilà, on a fait un petit piège les gars, au moins on aura dit qu'on peut défendre la base. J'ai cru voir quelqu'un par là par contre. Un, deux, trois, non, ils sont tous chez eux. Je dis de la merde, ça m'arrive souvent. Vous inquiétez pas. On s'en remettra. Allez hop, on jump là-haut. Tac. On va mettre notre petit B, comme j'aime l'appeler. Ah bah regardez, je suis pas tout seul à en avoir bien, il y a un pote chinois qui en a mis un aussi. Les deux sont one normalement. Ah bah c'est pas à toi qui est là. Ah t'es de l'autre côté toi. Putain, il a failli m'en mettre le mec. Oh merde, putain ça va pas. Donc là vous voyez, c'est la technique, chiant, c'est que les... je commence à être trop low en life. Je me suis tranquillement TP. Donc là elle saigne hein, donc je lui ai bien fait mal. Hop, toi tu vas saigner aussi. Tac. Nice, je l'ai eu mais alors de justesse. On va casser ça. Je peux pas faire mon F, on va courir. Waouh, là j'ai géré hein. Là les gars, je vous avouerai, je me suis géré. Tac, on va prendre ceci et on va attaquer. Oh la petite double qui fait plaisir. Je bave. j'ai bavé gros, ça c'est... C'est clarinette. Précis. Doum 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 doum. Oh merde, bon j'ai fait le con. Tac, on va reposer notre petite technique là, regardez, j'ai fait 4 kills, je suis pas encore mort une seule fois, tout ça grâce à mon petit truc. What the fuck, le TP qui fonctionne pas. Pourtant les MS sont pas trop dégueux non plus. Vas-y mortier, tu tapes dedans ou pas? Ouais. Tu
Nice, je vais les foncer. Bon, ça c'était sûr, je mourrais parce que des packs prêtes à être reprises. Et du coup, il m'a mis. Ouais. Sinon, tu veux bien passer? Ouais, j'ai l'impression qu'il a du mal pour. Pour passer les termes. Ouais, il a du mal, clairement. Bon, c'est rien. Hop, on respawn. Et là, il y a un petit mec chez nous, mais il va mourir rapidement. Voilà. Bien tranquillement, tu touches pas à la base, mec. Hop. C'est pas, tu peux plus afficher des points de dégâts avec ton. Non, ça marche plus. Ouais, non. Ah bon, ça marchait, enfin, t'arrives à toujours à trouver un petit bug pour la mettre. Bon, bah, c'est gagné, je pense. Ah, j'ai même pas pu essayer de le détruire. Voilà. Enfin, essayer de tuer le mec qui était au-dessus. Donc, ouais, là, c'est une game plutôt rapide, plutôt violente. Comme vous avez vu, j'ai bien utilisé mon pouvoir, j'ai pas mal géré mes trucs. Et puis, on a, toute la team a défoncé le cube rapidement, donc franchement. Regardez, rien qu'au niveau de l'or, ça a pas mal monté. Bah, voilà. Je pense que on va terminer la vidéo là-dessus. Rapidement. Peut-être à racheter à nouveau un petit héros vu que j'ai beaucoup de sous. Je sais pas, on va voir. Bah, achète le prochain. Non, mais j'en ai pas beaucoup parce que. Ouais, enfin, en fait. Du coup, c'est là je peux racheter que les deux premiers ou alors Doc et Lisa, mais c'est aller à chier. Donc, je pense que je vais attendre et j'achèterai le Yeti plus tard. Ce Yeti il a l'air trop cool. Voilà. Donc, sur ce, c'était Kingplay et Seba. On vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Donc, à samedi pour Seba et à mercredi pour moi sans doute. Allez, c'était nous deux. Ciao tout le monde. Ciao.